On a entendu les rumeurs. Les djihadistes avaient une intention de démolir ou bien de casser cet emblème-là. On était vite venus quand même pour essayer de s'interposer. Ça a été spontané. Il y avait des femmes, il y avait des vieillards, il y avait toutes sortes de personnes. L'information a été donnée. Nous aussi, nous relayons l'information pour dire ah, tout sauf qu'on touche à notre patrimoine culturel. Donc, de ce fait, les belligérants qui étaient là, les hommes armés qui étaient là, ils ont compris qu'ils sont obligés de faire marche en arrière. Le tombeau des Askia, bien que n'ayant pas été touché par les terroristes, a connu quand même des menaces qui ont affecté son état de conservation. Les groupes armés avaient interdit le crépissage du tombeau des Askia. Cela a considérablement dégradé les structures et même provoqué des fissures. La terre est un matériau périssable. Chaque fois qu'il y a des pluies, la terre se détache. Les populations attachent beaucoup d'importance à la sauvegarde de ce tombeau. Des restaurations de fortune ont toujours eu lieu par les communautés elles-mêmes. Mais aujourd'hui, nous avons en face un partenaire financier, Alif, qui a accepté de nous apporter son soutien. Le Mali, c'est l'une des raisons d'être d'Alif. Si Alif a été créé en mars 2017, c'est parce que le terrorisme avait sévi, le patrimoine culturel du Mali avait été particulièrement endommagé. Ces projets sont faits pour et avec les communautés. C'est une dimension essentielle, puisque l'un des objectifs, c'est de contribuer au vivre ensemble, à la paix, et donc nécessairement, il faut que tout le monde participe au projet. Je déclare lancé le projet de réhabilitation du tombeau des Askia. La réalisation de ce projet permettra de consolider les piliers, d'alléger le poids du banco, de renouveler toutes les charpentes et de renforcer l'ensemble des structures du bâtiment, d'approfondir la connaissance de l'histoire et des valeurs du tombeau des Askia et de relancer le tourisme culturel, l'artisanat d'art et les industries culturelles. C'est un projet multipartenarial qui regroupe les autorités administratives, les collectivités territoriales, les communautés à travers bien sûr le comité de gestion, des partenaires techniques et financiers comme Alif, comme Crater. À partir d'aujourd'hui, notre rôle, c'est d'apporter l'expérience que Crater a sur ce genre d'intervention depuis une quarantaine d'années. Pour s'assurer que le projet de réhabilitation du tombeau des Askia se fera dans les normes pour ne pas porter atteinte à son intégrité et aux valeurs qui ont permis de le classer au patrimoine mondial.